Salam alaikum. Alors, dans cette vidéo, on va faire la correction de cet exercice sur les fonctions numériques. Et pour bien comprendre cette partie du cours, consultez le site math01.com/fr ou bien le lien dans la description pour avoir d'autres exercices et d'autres explications du cours. Ça y est, j'ai bien expliqué le cours tout entier. Alors, on échappe le cours complet sur le site de math01.com de l'adawal al-adadiya, darja par darja. Donc, tu vas sur le site et tu vas trouver, inchallah, le fond du cours. Alors, on commence par la correction de cet exercice. Alors, la question numéro 1, déterminer df. Donc, alors, f est défini si ce qui est à l'intérieur de la racine est supérieur ou égal à 0. Et ce qui est dans le dénominateur doit être différent à 0. Ça y est, l'équation d'Achel Jeter se connaît Moujib, ou ça, ça va. Le matin, c'est qu'on lui relève. Et alors, df égale à directement. Pourquoi? Parce que 2 racine x plus 3 est toujours différente à 0. Ce nombre est supérieur ou égal à 0. La racine, c'est un nombre positif. Plus 3, donc ce nombre, c'est un nombre supérieur ou égal à 3. Supérieur ou égal à 3. Alors, puisque c'est un nombre supérieur ou égal à 3, alors ce nombre est différent à 0. Donc, directement, df égale à 0 plus infini, parce que x doit être supérieur ou égal à 0, donc de 0 jusqu'à plus infini. Directement, donc df égale à 0 plus infini. Donc la question de montrer que f est majoré. Donc comment faire pour montrer que une fonction est majorée par un nombre 1 par exemple? Si on a f, c'est inférieur ou égal à 1, on peut dire que fx est majoré par 1. Et si on a fx, c'est supérieur ou égal à 1, on peut dire que fx est minoré par m, est minoré par m. Ça y est. Donc pour montrer cette relation, on doit calculer f moins m, fx moins m. Donc on a. Alors ici on doit mettre df. Pourquoi? Parce que f n'est pas défini sur R. Ça y est, f est défini seulement sur 0 plus 1. Donc on a fx moins majoré par 1 demi, moins 1 demi égale racine x moins 1 divisé par 2 racine x plus 3 moins 1 demi égale à 2 fois racine x moins 1 moins 1 fois 2 racine x plus 3, le tout divisé par 2 fois 2 racine x plus 3, donc égale. Donc ici on a 2 racine x moins 2 racine x, donc 0. 2 fois racine x, moins 1 fois 2 racine x, donc 0. 2 fois moins 1, moins 2. Moins 1 fois 3, moins 3. Divisé par 2, fois 2 racine x, plus 3. Ça y est. Donc égal à moins 2, moins 3, moins 5. Divisé par 2, fois 2 racine x, plus 3. Et ce nombre est un nombre négatif. Pourquoi? Parce que son nombre, c'est un nombre positif, et on a moins 5. Moins 5 sur un nombre positif, c'est un nombre négatif. Ça y est? C'est-à-dire, fx moins 1 demi est inférieur strictement à 0, alors fx est inférieur strictement à 1 demi. Donc, f est majoré par 1 demi. Sur df. Parce que cette relation est correcte, quel que soit x appartient à 0 plus infini. Ça y est. Et maintenant, on va montrer que f est minoré par moins 1 sur 3. Donc, on va calculer f de x moins moins 1 sur 3. Donc, égal à fx égale à racine x moins 1 divisé par 2 racine x plus 3 moins moins égale à plus 1 sur 3. Ça y est, donc égale à 3 fois racine x moins 1 plus 1 fois 2 racine x plus 3, le tout divisé par 3 fois 2 racine x plus 3, donc égale à 3 racine x plus 2 racine x égale 5 racine x.
3 fois moins 1, moins 3, plus, donc moins 3, plus, 1 fois 3, 3. Voilà. Divisé par 3 fois 2 à la 5x plus 3. Égal à, donc moins 3 plus 3, 0, donc 5 racine x divisé par 3 fois 2z racine x plus 3. Donc, puisque ici on a un nombre positif, la racine est toujours positive, donc 5 fois racine x est un nombre positif et on a ici un nombre positif, donc le résultat c'est un nombre supérieur ou égal à 0. Donc, fx, puisque fx moins 1 sur 3 est un nombre positif, donc fx est supérieur ou égal à moins 1 sur 3. Finalement, on peut dire que f est minoré par moins 1 sur 3 sur df. Ça y est, je pense que c'est bien clair. Finalement, n'oublie pas de visiter le site math01.com/fr pour consulter les autres explications du cours. Merci, à bientôt.